Salut tout le monde, c'est Yoki, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur Skyrim. Et donc là, on continue notre petite vidéo détente, comme la dernière fois, et comme vous l'avez remarqué. Et aujourd'hui, on continue les quêtes à l'aveugle, waouh, super. Et donc, je réexplique pas le principe, quoique, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avance, et on va aller voir l'aubergiste, on va lui demander Après tout ce Qu'avez-vous comme rumeur? Vous avez entendu des rumeurs dernièrement. Voilà. Alors là, j'espère ne pas être déçu. La dernière fois, j'ai pas été déçu du tout. Hein. Je vous laisse la surprise si vous avez pas regardé la dernière vidéo. Et là, on va commencer tout de suite. On dit que Jarira traîne du côté du quartier des puits et qu'il cherche de nouvelles recrues. Ouais, ok. Prochaine Donc fois, là, je c'est la serai quête votre qui pilote se lance. vidéo. Et on est parti pour rencontrer ce cher monsieur. Voilà, je suis devant Jarira, hein, D'argent, comme la quête le vous avez disait. passage à Ah, mais parfois. Solitude. Ça vous dirait de gagner facilement quelques pièces d'or. ouais, ça me tenterait, ouais. Mais bon. Il est facile de trouver des choses à vendre, des objets qui ne manqueront à personne, que l'on trouve sous terre, ou qui traînent dans une maison ou une autre. Je trouve qu'on a des points communs tous les deux. Pourquoi ne pas s'entraider? Alors, des points Ma communs, sœur ouais, Nija et moi pourquoi sommes pas. chasseurs de trésors, de vrais collectionneurs. Alors je ne vole jamais. Alors ça c'est totalement faux. Par contre, je vous écoute. Oui, effectivement, on va continuer la quête. Bien que vous n'étiez pas stupide. Avec la guerre, de plus en plus de bateaux arrivent sur les quais. Ils sont chargés d'armes et d'or, mais ont peu de passagers, et ils traversent des eaux dangereuses. L'un de ces bateaux nous intéresse. Il s'agit du brise-glace. Le phare de Ok, le Solitude le brise-glace. gardera à quai, sauf s'il est éteint. Dans ce cas, le brise-glace s'échouera quelque part. Et vous voulez que j'aille éteindre l'incendie du phare, c'est ça? Bah ouais, je pense. De toute façon, j'ai que ça comme possibilité, donc je lui demande ça. En voilà une idée intéressante. Ah mais je suis intelligent, ça c'est sûr. Je pense que si quelqu'un faisait ça, il y aurait un joli butin à partager. Oui, si quelqu'un éteignait le phare et venait me retrouver sur les quais, je pourrais lui indiquer comment récupérer ce butin. Voilà, c'est bon. Et là, je me rends directement sur ce mystérieux phare. À tout de suite. Voilà, je suis devant le phare et je dois éteindre le feu qui normalement doit être là-haut. Allez, c'est parti. Ah, donc voilà, encore des escaliers à monter. Donc ça change pas de d'habitude. On y est enfin. Alors, activez feu du phare de solitude. Oui. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. Et on va se rendre directement voir Jarira parce que j'ai accompli cette mission extrêmement difficile. Hein. Voilà, on se retrouve sur le quai, hein, le quai tout beau, magnifique. Oui, il est magnifique, effectivement. Oui, donc en fait, avant, je m'étais trompé de chemin, c'est pour ça que c'est un petit peu coupé. Allez, on se dépêche voir ce cher monsieur. Il est là. Oh, il est Ça beau. s'est Oh, bien il est beau. passé, Et il me n'est-ce ressemble. pas? Non, pas vraiment, en fait. Ça s'est bien passé, semble-t-il. J'éteins le feu Les du phare, effets ouais, s'en super. font déjà ressentir. Le brise-glace n'a pas pu s'amarrer à temps. Ah bah ça je m'en doute. Privé J'ai de fait la vite. lumière du phare, le J'ai fait ce que j'ai brise-glace pu dut quoi. contourner le banc ouest et s'échouer sur la côte est. Voilà, et là on se retrouve sur l'épave. Là ça a l'air chaleureux. C'est vous qui Ah, avez éteint maraudeur. l'incendie du phare, n'est-ce pas? Ouais, c'est moi. Oui, j'ai éteint, C'est du c'était gros une travail. mission extrêmement Si j'allais périlleuse, dans j'en la ai chié, taille, j'ai fait trois rage quits, enfin j'ai fait vous plein de trucs quoi. descendez de deux niveaux. Eh bien voilà. Ok, je descends de deux niveaux. Bon, alors elle est où? Ah, je dois aller par là, je pense. Ah, le beau étendard skyrimien. chercher plein. Non. On va aller voir cette chère dame. J'espère. C'est lui? Je peux vous aider. Oh, il est beau, lui. Je peux vous aider. Non, c'est bon. Oh mon Dieu. Bonjour, Moussaillon. Sur le pont, s'il vous plaît. Ah, voilà, j'y suis presque. Enfin. Nya. Y a quelqu'un? Oh. Mon Bonjour. frère m'a dit que vous alliez venir. Alors, on se Ah, partage le butin. Bah j'ai oui, j'ai envie du peur que fake, moi, le merde. butin ait déjà été partagé. Mais vous avez bien servi les sans-noirs et mérité une mort rapide. Ah bah ça, c'est sympa, ça. Quoi? Merde! Oh, je dois la battre. Oh non! Je dois la tuer, sérieux? Putain, je l'ai buté, merde!
faut que je réussisse à sortir d'ici si l'autre me laisse passer. Putain, tu me laisses passer, bordel. Ah, putain. Bah oui, bah j'étais obligé de la tuer, alors je vais me battre contre tout le monde maintenant. Ah, voilà, me revoilà dehors avec plein d'ennemis au cul. Wouhouhouhou. Maraudeur sans noir. Putain. Alors, mon allié est complètement OP, hein, donc ce qui fait que je n'ai même pas le temps de tuer les ennemis. Alors voilà, j'ai trouvé la note de Jarira, et peut-être que ça enchaîne sur une autre quête, parce que bon, là, elle était vraiment pas très intéressante. Alors, je vais la lire. Ah, découvrez, on est demandé. Rejoignez la grotte de l'aviron brisé. Alors, je vais essayer de prendre mon air très éloquent. Ah, là, il y a des petits défauts, là. Alors, sœur, une fois que tu auras récupéré les paquets, envoie-les-moi à la grotte de l'aviron brisé. Il, l'imbécile, alors ça, c'est très sympa, qui nous a rendu service au phare devrait arriver peu de temps après. Veille à ce qu'on s'occupe de son cas. Ouais, bah, elle est morte, ta sœur, je l'ai butée. Donc, on va aller voir la grotte de l'aviron brisé. Je pense que ça pas, enfin, ça doit pas être très loin, je pense. Et on s'y retrouve tout de suite. Voilà, donc là je suis devant la grotte de l'aviron brisé comme prévu. Là il y a eu des trahisons, il y a eu plein de trucs. Et donc on va voir ce qu'il y a dans la grotte. Oh, rejoignez la grotte de l'aviron brisé, ça c'est terminé et battez Jarira. Alors ça doit être un combat super épique. Ah oui, il est temps d'en finir, gamin. Oh. C'est bon, il est crevé. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, il y a du loot ou pas? Alors là, je suppose que je dois monter tout en haut. Je sais pas si c'est encore bien loin. Ah, il y a des ennemis. On va essayer de se la jouer. Infiltration, infiltration. Ne parlez pas, cher abonné. Ne parlez pas, ne parlez pas. Je suis sur la bonne piste. Ah non, ah bah non, c'est foiré. Donc là, j'active le levier. Boum! Alors, dans quel chemin dois-je passer? Ah, la petite bourse. 9. Bon, bah c'est 9 quand même. Enfin, c'est... Bah, 9 c'est bien, mais c'est pas énorme, quoi. Donc là, j'ai trouvé un petit escalier. Je vais essayer de monter sans contrainte. Non, en fait, il n'y a que ça. Nya. Ah, c'est bon. Putain, c'est chiant, ça. D'accord, donc là, je vais essayer... de faire le plongeon le plus sexy du siècle. Attention. 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 Là, ça va être un truc de gros malade. 1, 2, 3. Voilà, donc là, je me suis fait déjà repérer. Donc là, c'est, alors ça, c'est la classe. Hein. Oh, il y en a 3. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Donc allez, là c'est bon, j'en ai tué un. Oh mais putain, il y en a plein la vache. Ouais. Est-ce que je peux m'en sortir comme ça? Oula, oula, oula. À la flotte, à la flotte. Yes. Ah, allez, crève, crève. Oui. Ah. Ça c'est good. Putain, il en reste un dernier. Ah non, en fait, il en reste deux. Ah bah c'est lui. Ah, heureusement que j'ai des compagnes. J'ai ma compagne. Oui, 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 tout à fait. Ma compagne qui me sauve un petit peu. Et donc là, je vais atteindre. Ah, terminé, extinction des feux, la classe. Donc là, y a-t-il des trucs dans ce coffre? Arc elfique de Frimas. Ouh, alors ça, ça a l'air stylé. En plus du fric. Alors, l'ennemi ne doit pas être très loin. Et ben, je crois même qu'il est tout en haut. Il faut que j'aille vraiment le chercher. Ah voilà, il est là-bas. Ah. Oh, le gros finish. Regardez ce gros bug. Regardez la tentacule. Qui... ah non, je crois que c'est un pli de... Ah non, en fait, c'est sa queue. Oh putain. Voilà, donc là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire dans cette grotte. Et je vais retourner à bord de ciel. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo vraiment sympa. En attendant, suivez-nous sur Twitter. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, lâchez un com, likez la vidéo, faites tout ce que vous voulez. Et moi, je vous retrouve
très bientôt sur une nouvelle vidéo sur Skyrim. Allez, salut!